pero se vive cerca del cielo y con piedad, y la noche con su manto cubre las chozas, lleva la paz. Allí se escucha al fin del día una plegaria, Ave María, y allá se escucha al fin del día una plegaria. Si je compare le rocher percé au Canada, le pont d'Arc en Ardèche, le doigt de Dieu sur l'île de Grande-Canarie, ou même notre Cervin helvétique, montagne qui représente la Suisse dans le monde entier, aucun de ces massifs rocheux, si haut et si beau soit-il, n'est aussi fascinant que le rocher de Pedralta. Depuis que l'Éternel a déposé cette pierre sur la pointe de ce pic rocheux, des millions d'années se sont écoulées. Il a su résister aux tempêtes, aux ouragans, aux tremblements de terre. L'homme lui a marché dessus. Et il serait surprenant, pour ne pas dire impossible, que personne, depuis des siècles, n'ait essayé de la faire tomber. Et pourtant, des millions d'années plus tard, elle est toujours en équilibre. Par respect et foi en Jésus-Christ, l'homme au sommet de la pierre a fixé une croix métallique. J'ignore encore ce que représente Pedralta pour les gens de San Feliu et des environs. Mais tout porte à croire que cet endroit est un lieu de recueillement et de prière. À quelques mètres de la pierre, une petite chapelle miniature, faite de pierres décorées d'articles religieux, témoigne encore davantage de ce que représente ce lieu pour les gens de la région. Il est donc compréhensible que pour limiter au minimum la visite de ce lieu saint et de ce fait sa préservation, qu'aucune publicité ou presque ne motive les touristes à venir visiter Pedralta. Pour ma part, si j'avais la chance de connaître Pedralta, c'est grâce tout d'abord à Silvana de Cortés, l'aide-gérante de l'hôtel Acapulco, ainsi qu'à Pedro Yorca, le propriétaire des hôtels Acapulco, Chaloc, Cosmopolita, etc. Malgré la distance qui nous séparait, désormais j'avais conservé une bonne amitié pour cet homme d'affaires multimillionnaire et qui pourtant savait rester si simple. Sa vie professionnelle l'obligeait constamment à se déplacer. Il était donc très difficile de le rencontrer sans rendez-vous. Ce soir-là, nous allions prendre une chance et nous rendre à l'hôtel Chaloc pour y prendre notre repas du soir. Au dire de Manolo, le gérant de l'hôtel Acapulco, c'était à cet endroit que nous avions le plus de chance de le trouver. Comme j'avais conservé un plaisant souvenir de sa rencontre avec les cousinos 2 ans auparavant, j'avais espoir, à nouveau, de pouvoir lui présenter les sœurs Guertin et leur mari. Mais cette fois-là, j'allais être moins chanceux, puisqu'il était absent de Platea de Haro. Lors de notre dernière soirée en terre espagnole,
j'allais emmener nos visiteurs à la Casa Pedro, à San Feliu de Guixol. Je savais que les soirs où Victoria n'allait pas danser dans les hôtels à Pedro, c'était dans le sous-sol de son restaurant qu'elle émerveillait le public. Aussi, pour la voir à l'œuvre, cette fois avec d'autres danseurs et danseuses de flamenco, nous allions nous rendre à San Feliu. Je dois avouer que ce soir-là, j'allais découvrir une Victoria plus admirable encore que celle que je connaissais depuis de nombreuses années. Jusqu'alors, je l'avais toujours vue danser seule. Mais avec un partenaire, je découvrais un vrai show de flamenco. Bien des années ont passé à l'heure où j'écris ces lignes. Pourtant, il y a encore quelques jours seulement, j'avais dans les mains la paire de castagnettes qu'elle m'avait offert un soir au bar de l'hôtel Acapulco, il y a plus de 20 ans de cela. Il arrive parfois dans la vie que l'on reçoive des cadeaux qui n'ont pas de prix. Des présents que rien ni personne ne pourrait nous acheter. Cette paire de castagnettes représente pour moi l'un de ces cadeaux. Elles ont une histoire, un vécu. C'est avec elles que Victoria a commencé à danser le flamenco. Ce n'est pas des castagnettes décoratives pour touristes. Elles représentent pour moi un gage d'amitié. Car elle aurait pu les donner à bien d'autres personnes. Mais pour une fois, c'est à moi qu'est revenu cet honneur. Pour notre départ le lendemain matin, nous avions prévu quitter Platea de Haro le plus tôt possible. Afin de nous éveiller au lever du soleil, nous ne prolongeâmes pas trop longtemps notre soirée, pourtant merveilleuse. Il devait être environ 23 heures lorsque nous arrivâmes à nos appartements. Peu de temps après, nous étions déjà couchés. Mais notre nuit de repos allait être de très courte durée. À 3h30 du matin, nos voisins de palier, des Allemands âgés entre 25 et 30 ans, arrivèrent à leur appartement en réveillant tout l'immeuble. Sans aucune gêne ni respect, ils avaient décidé de continuer à festoyer en chantant et en dansant. Pour être mal placés, nous ne pouvions l'être davantage. Entre eux et nous, un mur d'à peine 10 cm nous séparait. Quant aux sœurs de Francine, elles se trouvaient dans le même appartement, à un étage en dessous. Jusqu'alors, il ne m'était jamais arrivé de voir Francine hors d'elle-même. Comme elle était furieuse, elle commença par frapper à grands coups de poing contre le mur pour faire comprendre aux germaniques que leur manque de respect lui allait sur les nerfs. J'avais beau lui expliquer que dans l'état d'ivresse où il se trouvait, essayer de se faire entendre équivalait à faire la morale à un autiste. Comme nos deux balcons étaient jumelés, elle tenta en vain de se faire entendre en criant au balcon. À l'étage au-dessous, Louise et Hélène, de leur côté, tentèrent de calmer la furie de leur sœur cadette. Leur père, ayant participé au débarquement de Normandie, leur avait souvent parlé du caractère dominant et fanatique du peuple allemand. De minute en minute, les lumières s'allumaient dans les appartements de l'immeuble, ainsi que dans l'immeuble en face du nôtre. Pour ne pas me sentir mal à l'aise, et tenter moi aussi de faire quelque chose pour faire savoir à ces boches que s'ils ne savaient pas mieux se comporter, ils étaient aussi bien de rester chez eux, je décidai simplement d'aller frapper à leur porte. Je ne serais pas honnête en disant que je n'éprouvais pas certaines craintes en faisant une telle démarche. Au deuxième, dans mon HLM, y a une bande allumée qui vive à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y en a un qui est chômeur, y en a un qui est instit. Y en a une, c'est ma sœur, ils vivent comme ça, relax. Y a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool, putain ce qu'il est blême. Mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Je décidai de m'équiper, au cas où la Gestapo aurait cherché à me faire la peau. Lorsque l'on a appris à nager, à skier
ou à faire du vélo, on ne perd jamais totalement son expérience en la matière, et cela même si plusieurs années y ont passé sans que l'on repratique son sport. Pour ma part, la seule défense avec laquelle je ne craignais personne était mon nunchaku. Même si je ne pratiquais jamais, je le maîtrisais toujours aussi bien. Suffisamment en tout cas pour faire comprendre à un agresseur éventuel que l'on n'attaque pas Éric Burdet sans en payer le prix. Plus encore si ce dernier est préparé à se défendre. Comme chaque année d'ailleurs, je trouve toujours une petite place dans ma valise pour mon nunchaku. Il va de soi que je n'allais pas arriver à leur porte mon nunchaku en main. Je l'avais donc glissé dans mon dos, à la hauteur de ma ceinture. Lorsque je sortais de notre appartement pour prendre le corridor en direction de l'appartement des Allemands, j'aperçus des policiers qui montaient les escaliers en compagnie, sans doute, du concierge de l'immeuble. Je compris alors que ma démarche n'était plus nécessaire, puisque la Guarda de Juan Carlos Ier prenait les choses en main. Et effectivement, quelques minutes plus tard, le calme total était revenu dans l'immeuble. Il était alors entre 4h30 et 5h du matin. Il serait faux de dire que nous étions reposés. Par contre, avec la montée d'adrénaline que nous venions de faire, nous étions en revanche parfaitement réveillés et aptes à prendre la route pour gagner l'Italie. Incités à couvrir la plus grande distance possible la même journée, nous utilisâmes presque exclusivement les autoroutes. Quelques kilomètres avant d'arriver à Nice, je demandai tout de même aux sœurs Guertin si elles désiraient suivre la route de la côte pour avoir une idée de ce qu'était la vraie Côte d'Azur. Intéressées par ma proposition, nous quittâmes l'autoroute à l'entrée de Nice pour longer la promenade des Anglais. Sans nous arrêter, nous enchaînâmes avec la traversée de Monte Carlo et la principauté de Monaco. Ce jour-là encore, c'est Robert qui faisait office de chauffeur. J'avoue que grâce à son amour pour le volant, je pus réussir avec ma caméra vidéo de merveilleuses prises de vue, chemin faisant. Très vite, nous regagnâmes l'autoroute du Fréjus qui dominait toute la côte. Avant d'y parvenir, je me renseignais pour savoir si l'un d'entre eux souffrait de claustrophobie ou ne supportait pas de traverser un tunnel sous une montagne. Ma question suscita une légère inquiétude de la part de Louise. « Oh, dis-moi pas, il y a un long tunnel à traverser ?»« Oh non, il n'y a pas de long tunnel, mais il y en a beaucoup de petits. 33 en tout, jusqu'à la frontière italienne. » Venant d'un pays où les tunnels sont assez rares, mes compagnons de voyage, avec raison, allaient être impressionnés par la complexité de cette autoroute du Fréjus. Au sortir d'un tunnel, on se trouvait sur un viaduc surplombant une vallée. À peine étions-nous sortis d'un tunnel que déjà nous apercevions le suivant 400 mètres plus loin. Cette autoroute était un défi lancé à la nature. Sur un terrain montagneux, accidenté, aux dénivellations constantes, l'homme était parvenu à s'imposer pour se déplacer à plus de 100 km à l'heure à travers le vide et la montagne. Alors que nous traversions un tunnel dont la longueur était supérieure à tous ceux que nous venions de passer, Robert dut soudain relâcher l'accélérateur car le trafic avait considérablement ralenti. Lorsque nous en sortîmes, nous constatâmes que nous étions arrivés à la frontière italienne.